Et aujourd'hui, on plonge dans le grand bain avec Lamia Essem Lali, présidente de Sea Shepherd France. Bonjour. Bonjour. Alors, Sea Shepherd est notamment connue pour les actions médiatiques avec Paul Watson, mais concrètement, c'est quoi ? Concrètement, c'est une organisation en premier lieu d'anti-braconnage, donc tout ce qui est pêche illégale et atteinte à la biodiversité marine. On a des campagnes, c'est vrai, sur la protection des baleines, qui sont très connues, mais on a aussi d'autres missions sur tous les autres animaux qui peuplent l'océan, et ça va du plancton au krill, en passant par le thon rouge, les phoques, les requins, les dauphins. Donc voilà, le but c'est de pallier au manque de police en mer et en haute mer. Donc le fait qu'il existe des lois pour protéger la vie marine, mais très peu de moyens effectifs mobilisés sur le terrain pour donner une réalité à ces lois. Alors quelles sont vos prochaines grosses actions ? Alors on vient de terminer en fait une campagne en Antarctique qui a permis d'appréhender le dernier des braconniers de l'Égine australe, le Viking, qu'on pourchassait depuis l'année dernière. Donc le bateau a été finalement arraisonné en Indonésie puisqu'on a prévenu les autorités indonésiennes de sa présence. Il a été coulé par le gouvernement indonésien. Puisqu'ils ne plaisantent pas avec les braconniers. Hein. En général, quand ils chopent un braconnier dans les eaux territoriales, ils le coulent. Donc du coup, c'est une mission qui nous a permis de mettre hors d'état de nuire les 6 braconniers de l'Égine australe, qui est un poisson qui se vend à prix d'or sur le marché américain. Et on enchaîne tout de suite après, là, sur une mission pour les filets dérivants, puisqu'on a trouvé des bateaux chinois qui pêchaient illégalement dans l'océan Indien avec des filets dérivants. Donc on a récupéré déjà plusieurs kilomètres de filets avec malheureusement des dauphins, des otaries, des thons, des requins qui étaient morts. On a réussi à en sauver une douzaine de requins. Ouais. Et les braconniers ont pris la fuite quand on est arrivé. Donc l'objet de la mission, là, l'opération Driftnet, c'est de les retrouver et de livrer aux autorités. On a plein d'autres missions un peu partout dans le monde, notamment en mer de Cortez, au Mexique, en partenariat avec le gouvernement mexicain pour essayer de sauver les dernières vaquitas, qui sont en fait la plus petite espèce de dauphin. Il reste une cinquantaine d'individus et ils meurent des filets illégaux qui sont posés dans la réserve. Donc on récupère ces filets et on a réussi d'ailleurs à sauver une baleine à bosse il y a une quinzaine de jours qui était prise dans les filets. On a des campagnes aussi de nettoyage en mer et nettoyage de plage. On a des missions au Japon sur la chasse des dauphins, donc ça c'est 6 mois par an, entre septembre et mars. Et là, on prépare une mission qui va bientôt être annoncée contre le braconnage en Afrique de l'Ouest, qui est la zone du monde où il y a le plus de braconnage. Et ce sera en partenariat avec l'État en question. Et donc pour ça, on communiquera dessus très prochainement. Et en France, on a une mission qui a lieu en ce moment dans la réserve du Cap-Fou, près de Nice, qui est la grande réserve en France métropolitaine, dans laquelle maintenant il y a beaucoup de braconnage et pas suffisamment de moyens pour surveiller la zone. Donc vous êtes bien occupé, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas, ouais, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. Alors justement, vous pouvez retrouver toute l'actu de Sea Shepherd sur le Facebook de l'association. Et si vous voulez soutenir cette association, vous pouvez, www.seashepherd.com. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. Pardon, c'est .fr, seashepherd.fr. .fr, pardon. .fr, www.